Salut tout le monde, c'est Troforesti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une ceinture en cuir faite par Forestcraft qui est un ami de YouTube qui fait aussi du bushcraft. Donc c'est une ceinture en cuir marron d'une épaisseur de 3,5 cm, enfin largeur plutôt. Elle est composée de moi l'équipement que je mets dessus, couteau, pince multifonction, scie et lampe torche. Vous pouvez choisir tout, c'est une ceinture sur mesure, il fait tout sur mesure. Pour une ceinture comme ça, ça vaut 48€ avec les frais de port. Après, si vous habitez à l'étranger, ça coûtera un peu plus cher pour les frais de port. Voilà. C'est une ceinture sur mesure vraiment super parce que vous pouvez vraiment tout choisir. La couleur du cuir, moi j'ai pris marron. Vous pouvez choisir soit à la place des vis Chicago qui sont juste là, soit les vis Chicago, soit une couture, mais les coutures c'est un peu moins solide. Après à la boucle de ceinture, vous pouvez choisir un effet vieilli ou neuf, voilà. Après il y a différentes boucles de ceinture. Vous pouvez également choisir la largeur de la ceinture, sa longueur, le tour de taille, tout ça, vous pouvez tout choisir, c'est vraiment génial. Et vous pouvez aussi choisir les petits motifs qui pourront être dessus. Moi personnellement j'ai choisi un motif celtique. Après Alexis m'a aussi proposé un motif, une sorte de patte de loup. Mais je préférais ça quand même. Donc voilà, donc cette ceinture elle est vraiment vraiment super. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait Alexis parce que c'est vraiment génial. Il fait plein de trucs, des bracelets médiévaux, tout ça, des... il peut faire aussi d'autres ceintures un peu différentes de celle-là, il peut tout faire. Donc j'espère que Alexis, enfin que tu vas continuer à vendre des trucs comme ça, enfin c'est vraiment génial. Et je te remercie d'ailleurs pour cette ceinture. Et aussi un petit truc pour mettre la ceinture, si vous en achetez une comme ça, il faut faire un nœud médiéval quand vous la serrez. Donc vous mettez dans le passant ceinture, voilà. Et vous passez en dessous la ceinture. Et vous repassez dans la boucle que vous venez de faire. Voilà. Et vous avez un nœud médiéval qui tient le coulant de la ceinture sur le côté. Voilà. Donc merci Alexis franchement pour cette ceinture, elle est vraiment géniale. Alexis fait aussi des... Enfin Forestcraft fait aussi des bourses en cuir. Enfin il fait... il fait plein de trucs en cuir. Je pense qu'il peut tout faire à peu près. donc je vous mettrai un lien de sa page Facebook dans la description pour que vous puissiez aller le contacter si vous voulez faire un truc en cuir. Et je vais aussi laisser un lien de sa vidéo où il explique comment fabriquer cette ceinture. Enfin il explique tout ce qu'il a fait dans la fabrication. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Alexis pour cette ceinture et pour m'avoir permis de faire une vidéo dessus. J'espère que... vous allez en acheter une. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss !